Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer, voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Star Wars Battlefront 2 s'annonce. Sans images pour l'instant, on ne sait pas grand-chose à part qu'il est confirmé officiellement par DICE et son éditeur Electronic Arts. Et qu'on en saura plus lors du Star Wars Celebration du 15 avril prochain. La mouture 2015 avait quelque peu déçu, notamment par son contenu rachitique, sans le Season Pass à 60€, et son absence de solo. Alors à quoi s'attendre pour la version 2017? Eh bien tout d'abord, Battlefield 1 est passé par là entre temps, le mécontentement des joueurs lié à l'absence de l'armée française devrait tout d'abord nous protéger de voir les Stormtroopers nous être proposés en DLC. Eux qui ont payé un si lourd tribut durant cette guerre. Surtout que chez EA, l'idée leur a forcément effleuré l'esprit une seconde. Ensuite, on s'attend à ce que Battlefront 2 soit un jeu taillé pour durer dans le temps, c'est-à-dire avec du contenu ajouté régulièrement et une campagne à faire tout aussi bien seul qu'en coop. Le jeu n'ayant pas eu à être rushé pour correspondre à la sortie d'un film, contrairement au 1, ce Battlefront 2 devrait représenter l'offre Battlefront aboutie de l'éditeur. Un jeu enfin pensé pour le long terme et alimenté sur le long terme. À bien y réfléchir, on peut prévoir que ce Battlefront 2 fera tout pour ne pas avoir besoin d'un nouveau Battlefront tous les 2 ans. Contrairement à l'épisode 1 qui appelait un épisode 2, ce Battlefront 2 devrait écarter l'idée d'un 3 pour un bon moment. Maintenant, vous pouvez téléphoner, faxer, surfer sur Internet ou envoyer un email avec un seul appareil qui tient dans votre poche. Le Nokia 9110 Communicator. 253 grammes seulement. Il vous permet même d'envoyer ou de recevoir des images. Une photo numérique, par exemple. L'annonce du Galaxy S8 s'accompagne de l'accessoire DeX pour transformer votre smartphone en PC de bureau. Un peu comme le display dock de certains Windows Phone, oui, mais ici la visibilité de la gamme Galaxy S relance l'idée de voir ce genre d'accessoire percer chez le grand public. On n'arrive pas à ne pas penser à la Switch et à l'idée de faire venir du jeu mobile sur plus grand écran. Est-ce que Switcher va devenir à la mode pour tous nos devices portables? L'accessoire sera lancé autour de 150€, un tarif très élevé qui le place au même niveau que l'actuel Intel Compute Stick, un PC sous forme de clé HDMI qui permet aussi de se promener avec son PC dans la poche et de le brancher à n'importe quel écran. Eh ben, on verra le moment venu. Mais le moment venu, c'est quand ça? Quand on vous propose du pognon, vous prenez. C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple. Et si dans un second temps, vous tenez absolument à réfléchir, ben, rien ne vous empêche de vous amuser. Dean Hall vient d'annoncer par l'intermédiaire de 3 screenshots Stationers, un jeu de simulation spatiale qui fait tout de suite penser à Minecraft et Astroneur. Pour ce jeu Stationers, il y a de quoi être partagé à propos de ce projet. D'un côté le chagrin d'entendre que le projet est porté par Dean Hall, parce que si le nom ne vous dit rien, c'est le monsieur qui avait quitté l'Air Force pour prendre un poste de producer dans un studio néo-zélandais, tout en développant sur son temps libre un mode pour Arma 2, le désormais célèbre DayZ. Il démissionnera de nouveau en cédant aux avances de Bohemia Interactive qui planchait déjà sur Arma 3, ce qui lui permettra de pousser encore plus son projet perso. DayZ deviendra alors un standalone. Et fun fact, il est toujours en early access depuis la fin de l'année 2013. À en croire la gronde des forums, les mises à jour se font de plus en plus rares et de moins en moins intéressantes niveau contenu. Mais on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, puisqu'à cette époque, Dean avait déjà quitté le navire depuis longtemps pour bosser sur un autre projet, le jeu Yon, annoncé en grande pompe à l'E3 2015 avant de passer à la trappe. Alors oui, au vu du passif du monsieur, on est en droit d'émettre des doutes quant à la fiabilité du projet. À l'annonce de ce nouveau jeu, plusieurs articles ne se sont pas gênés pour lui faire une réputation, à l'image de Gameblog qui offre à Dean une biographie tenant sur une ligne. Dean Hall, alias l'homme qui abandonne et qui ne termine jamais ses jeux. Ou encore l'homme qu'on pourrait présenter comme un véritable illusionniste. Mais pour offrir l'information de la crédibilité du projet, il fallait voir au-delà. L'occasion de vous rappeler ici une info passée pour anodine à l'époque. En septembre 2016, Dean Hall annonçait dans une interview à Eurogamer qu'il avait trouvé un soutien financier auprès de Tencent. Cette info prend aujourd'hui toute sa valeur. Car jusqu'à maintenant, les investissements du géant chinois se sont montrés juteux. On compte à son tableau de chasse, Riot et son incontournable League of Legends, ainsi que Supercell et sa machine afrique Clash Royale. Avec Tencent en soutien, quand Dean annonce qu'il travaille sur un jeu multijoueur dans l'espace aux ambitions de AAA,
Bah moi, j'ai envie de l'écouter.